excuses, votre cerveau se ferme et ne cherche même pas d'autres moyens d'atteindre votre objectif. L'une des excuses les plus courantes est de penser que vous n'êtes pas assez intelligent ou que vous n'êtes pas assez éduqué. Celle-ci est très courante. La majorité des personnes qui nous entourent l'ont à des degrés divers. Voici trois façons de surmonter cette maladie. Premièrement, rappelez-vous toujours que votre attitude est beaucoup plus importante que votre intelligence. L'auteur parle de son ami à qui il manquait un bras, mais qui était un grand joueur de golf. Quand l'auteur lui a demandé comment il faisait pour être si bon au golf malgré l'absence du bras, sa réponse a été « La bonne attitude et un bras battent la mauvaise attitude et deux bras à chaque fois. » Laissez-moi répéter. La bonne attitude et un bras battent la mauvaise attitude et deux bras à chaque fois. Imaginez que vous êtes le patron et que deux comptables travaillent dans votre entreprise. Le premier comptable a de nombreuses années d'expérience et il fait bien son travail. Le second comptable est assez inexpérimenté et est nouveau dans l'entreprise. Le premier comptable ne s'occupe de rien en dehors de son travail. Il fait simplement ce qu'on lui demande de faire et c'est tout. En revanche, le deuxième comptable offre son aide à ses collègues lorsqu'il termine son travail plus tôt. Lorsque quelqu'un de nouveau rejoint l'entreprise, il l'accueille chaleureusement et lui propose son aide. S'il y a quelque chose qu'il peut faire dans le département marketing, il le fait et ne dit pas que ce n'est pas son département. En d'autres termes, il essaie d'aider l'ensemble de l'entreprise à réussir plutôt que de se concentrer uniquement sur la comptabilité. Maintenant, en tant que propriétaire de l'entreprise, si vous deviez promouvoir l'un de ces deux comptables, lequel choisiriez-vous ? Je suis sûre que vous choisiriez le deuxième comptable parce qu'il a la bonne attitude. Vous voyez, l'expérience et l'intelligence ne sont rien si vous n'avez pas la bonne attitude. J'ai vu l'exemple ci-dessus se produire dans la vie réelle de nombreuses fois. Je suis sûre que si vous regardez l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous le verrez aussi. Croyez-moi, si vous voulez aller de l'avant, il suffit de changer votre attitude pour faire une grande différence. Deuxièmement,